J'ai beaucoup aimé rencontrer des animaux quand j'étais petite parce que ça me permettait de partager quelque chose au-delà de mon espèce humaine. Je suis à la fois journaliste et autrice jeunesse. Mon dernier livre s'appelle « Sauver les animaux sauvages ». C'est un bouquin qui explore toutes les initiatives des ONG et des associations pour aider les animaux. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces espèces qui vivent encore en liberté, dans le tout petit peu de place qu'on leur laisse, continuent à survivre ? J'aime bien donner des informations aux jeunes pour leur permettre de construire leur opinion du monde à partir de faits. J'ai eu à cœur d'écrire une rubrique qui s'appelle « Et moi, je fais quoi ?». C'est important, effectivement, de donner non seulement des clés, mais aussi des idées pour que les jeunes, les enfants, puissent être acteurs aussi de la vie de demain. J'ai une vision assez pessimiste du monde de demain et en même temps, je remarque qu'aujourd'hui, des jeunes commencent à se mobiliser. Donc des visionnaires, il y en a. Si vous avez envie de me rencontrer pour discuter de ces questions, vous pouvez me rencontrer au salon Les Visionnaires de Saint-Quentin en Yvelines les 1er et 2 avril.